tuweze lenengo umushindo wa nizambi wetu ni mukalenga wetu bagi basama ni basangala bagi bafo muabeta tuwetu ni mukalenga wetu ni malu kabu kabu ni bafiengana ni mandamuna apa bagi bafo hongila ni bikalaba kankabishipwe tatu wetu ni mukalenga wachendelen batuka bakufiengana mushindo vopapo wato watu tukulombeni wanyisha banje lupebe bafweka muabeu bakuata chitudi diechi batuluka muabeu ba persuade jiku nidi kudiosu ba sensibilize palumani bakashi ba kreye reveil munda mamuso kwemu reveil duma kushalu tuluka continue le masenyer ba butu mibwajina jeb tukulomba ni zambi uwe jumana kumamilo mioyo ya bantu tuwanyi shenigi jeba jikala mwakuikala jiminu jabulelela jifuani mioyo ya bantu ili mwana kulongo la miezu bubula babu wabufuka watuluka jieji mtu wa michuma yabu joji toloka jimweneka kubantu bambe ni mitu wajo kujitu kuwaji tujibantu bashintuluka mitu wajo kujitu kuwaji chene kabiji wa momo moto mitu wajo kujitu kuwaji jisama janyi njijika tuweze lena nku yosu wabutu mibu watatu tutukulu mba mujina jirikutu kwa vena os jamukelega ni musundi yotu Yesu Kristo amen tuje tunwele tuwasa kijila tuwela zambi tuwasa kijila tuwela bambi bonsu majibalo mwabeo tuwasa kijila nitutele mena abu kundeke lupo wakubele kubele mwoi mwali tukajiba jadidi ya zambi tutuwasa kijila zambi maalaba tujibata ambuisha bantu makumi mwanda mkulu nibapichi zambi wetu mwabukole njinga mbane kulusolo wa mukalenga lelu zambi nabi kila baluma nabi kila bakashi bwalu katwe na bavwa mungano ambi di makele na katwe na mbalo kuno ambi leni ujimu wakutu pasenge mili franga nganyi to katwe kwa kuno ambi leni lwa wele binu nubitani ujibete nukama to katwe na jijinga ni franga yenu to tetu jijinga muni mioyi yenu nene zambi kele jijinga ni bintu to zambi ye ukaji ni bintu jijinachi jijinga mbantu tujibale kukebe misu ukamishi mina wajilo lwedi tujitubi ikile waku nebe kibwa pastor wetu Eli Katalai interpreta Miguel Galeto Winnie Zambi wa mujulu anubeneshe. Hier, Malaba Mushala, nous avons vu Jésus qui est allé à la piscine de Bethesda pour chercher l'homme qu'il avait vu dans la vision. Cet homme, il était en train de chercher quelqu'un qui pouvait l'aider pour le jeter dans l'eau. Heureusement que quand Jésus est venu, la solution a été trouvée. Alors ce soir, je souhaiterais que chacun dise, c'est mon occasion. Ndimujinga bani muntu muntu ambani wanyimpunga nye yewu
Aujourd'hui, c'est mon occasion. Lelo, tu vois, nous pouvons nous péter où? Répétez cela, mes frères. Amour, la chine, toi, tu vas ne péter où? Hein? Oui. Et Yoa. Je vais juste raconter simplement des petites histoires bibliques aujourd'hui. Nangulelo, ningena nulondela mtumalu tukesa tulibolonda mumuganda wanzambiemu. Donc l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Tumalu tulibolonda tunto mugalenga wetu Yesu Kristo. Hier, j'étais en train de lire une légende de comment cela a débuté. Nangumalu mumushale mvu munka chumwagende dibala mushindu dibolonda. Oh, qu'il y a eu des gens qui allaient chercher des criquets. Des criquets passou. C'était des jeunes gens, des jeunes filles, des jeunes garçons. Et quand je lisais, c'était véritablement une belle légende. Et je crois que tout le monde qui habite cette contrée croit en cette légende-là. Je crois que c'est cela. Mais nous avons des histoires vraies. Des histoires concernant notre Seigneur et notre Créateur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Mais avant que je ne puisse continuer, je vais vous raconter aussi une histoire différente de celle qui a été racontée hier. Donc, aux États-Unis, il y avait une vieille dame quelque part. On a remarqué que cette femme avait vendu le meuble de la maison. Elle a vendu presque tout ce qu'elle avait. Elle était véritablement frappée de pauvreté. Alors, les gens ont pensé qu'il fallait aider cette vieille femme. Donc, il y a une société de bienfaisance qui a commencé à aider cette femme. Alors, un jour, on a envoyé des enquêteurs, des gens pour savoir comment cette femme est frappée par une telle pauvreté. Mais suivez-vous attentivement. Ok. Alors, les enquêteurs, quand ils ont posé des questions à cette vieille dame, maman, est-ce que tu n'as pas de parents? Pourquoi on ne t'assiste pas? Oh, j'ai un parent. J'ai un fils. Son père est déjà décédé. Et ce garçon, c'est le meilleur des garçons parmi les garçons du monde. Mon garçon, c'est un grand homme d'affaires dans un pays éloigné, en Inde, à l'Est. On dit, mais maman, si tu as un joli garçon comme celui-là, pourquoi ne peut-il pas t'aider? Est-ce que tu ne lui parles pas de cette pauvreté? Nous faisons le centre. Alléluia. Amen. Alors elle dit, cet enfant, je suis en contact avec elle chaque semaine. Cet enfant m'envoie de très douces lettres, de jolies lettres. Et à côté de cela, cet enfant m'envoie encore plusieurs photos. Est-ce que tu ne lui as jamais parlé de ta pauvreté? Il dit non. Peut-être que mon fils, il a tellement beaucoup d'affaires. Mais quand il m'écrit dans ses douces lettres, hein, il me dit que maman, je suis en train de prospérer. Alléluia. Amen. On dit, mais cela nous étonne.
Est-ce que nous pouvons voir ces quelques lettres qu'il t'envoie? Non, mais c'est très bien. Maman est entrée dans la chambre. Elle a sorti une Bible. Alléluia. Amen. Elle dit toutes les photos que ce garçon m'envoie, je les garde dans la Bible. Ne me perdez pas là-dessus. Elle a pris toutes les photos que son fils lui a envoyées. Il a mis dans la Bible. Alors, quand elle est venue devant ses enquêteurs, elle a d'abord sorti des lettres. Regardez. Ce sont de douces lettres. Regardez les termes que mon fils emploie. C'est le terme le plus meilleur qu'un fils peut parler adressé à sa mère. Et puis, quand elle a ouvert la Bible, elle a sorti des petits papiers. Regardez les belles photos que mon fils m'envoie. Quand les enquêteurs ont regardé les photos, c'était la monnaie indienne. C'était de l'argent. Alléluia. Amen. En convertissant à monnaie américaine, c'était des milliers de dollars. Alléluia. Amen. Mais le problème, elle ne savait pas que c'était de l'argent. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire, cette femme avait à manger. Avec l'argent qu'elle avait, elle avait à manger. Elle pouvait avoir des habits. Elle pouvait s'attraper n'importe quoi. Mais une chose, elle ne le savait pas. Alléluia. Amen. Alors je désire vous dire, comme elle a sorti ce trésor de la Bible, je désire vous dire ce soir que la Bible est pleine de trésors. La Bible est pleine de promesses divines. Alléluia. Amen. Si simplement vous pouvez vous rendre compte de ces promesses, je crois que ce soir vous partirez avec votre cœur plein de trésors divines. Alléluia. Amen. Je crois. Je crois fermement que Dieu est le Dieu des paroles des promesses et que la Bible est pleine de trésors. Un jour, Jésus-Christ, il descendait de la montagne. J'ai dit que je vais seulement raconter des petites histoires pour que l'atmosphère puisse être une bonne atmosphère. Ensuite, nous allons aller au baptême. Alléluia. Amen. Donc, si vous voulez devenir riche, que ce soit en esprit, que ce soit dans votre vie, la Bible est pleine de trésors. Alléluia. Amen. C'est de cela que nous allons parler ce soir. Aujourd'hui, c'est votre occasion. Alors, cet homme, il a amené un enfant épileptique. Il voulait voir Jésus. Mais comme Jésus était à la montagne, il a trouvé les disciples de Jésus. Il leur dit, voilà mon enfant. Ce fils ici, ce fils est épileptique depuis son enfance. J'ai prié à tes disciples de chasser cet esprit, ils n'ont pas pu les chasser. Alléluia. Amen. Alors quand Jésus vient, nous sommes dans Marc chapitre 9. Il dit, si tu le peux, alléluia. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Sauf quoi? Sauf rien. Tout est possible à celui. Alors lisons la parole. Nous sommes dans Marc chapitre 16. Mettez-vous assis. Sombaï. On va lire après
on va prendre la lecture de notre sujet, mais ici je désire simplement je dis quelque chose que vous puissiez retenir parce que j'aurai à l'utiliser dans la suite. Nous sommes dans Marc chapitre 16, commençons au verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde, même à Munkamba, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne refera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Amen. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est, qui envoie des gens dit, allez, pour faire quoi? Prêcher la bonne nouvelle, l'évangile surnaturel, parce que Dieu est surnaturel. Allez partout. Alléluia. Amen. Partout. Prêcher la bonne. Celui qui croira sera. Donc, quand vous croyez, comme il y a les eaux ici tout près, qu'on vous baptise pour être sauvé. Mais c'est comme le prédicateur d'hier. Nous n'adorons pas William Marion Branham. Le baptême au nom de William Branham est un faux baptême. C'est un baptême adultère. Si vous êtes baptisé au nom de Branham, je crois que vous irez en enfer. Alléluia. Amen. Parce que les péchés sont pardonnés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Celui qui croira sera sauvé. Écoutez maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ dit, suivez la suite. Voici le miracle, les signes qui accompagneront des croyants. Maintenant Jésus-Christ, quand cet enfant épileptique a été placé devant lui, il a simplement réprimandé cet esprit démoniaque. Et cet enfant fut délivré. Alléluia. Amen. Il est notre exemple. Hier, il s'agissait de l'homme que Jésus avait vu en vision. Jésus était en train de chercher quelqu'un qu'il avait vu en vision. Mais aujourd'hui, je vais parler différemment. Il se peut que Jésus ne te voie pas en vision. Mais tu peux être sauvé. Alléluia. Amen. Mais tu peux être. Peut-être que le Père, ou ce n'est pas ton jour, mais j'ai dit que tu puisses dire qu'aujourd'hui c'est mon jour. Même si Jésus n'a pas eu de vision pour toi, mais il y a une possibilité. Je ne serai pas long. Je prends une autre histoire. Pour que vous puissiez chasser toute peur. Un jour,
Le Seigneur Jésus-Christ. Mukalenga Yesu Kristo. Venant marchant sur les eaux. Ulwa wenda wenda hamai. Quand les apôtres regardent, ici il y avait une tempête, il y avait des vagues, et on voit quelqu'un qui vient sur les eaux. Oh, un fantôme vient vers vous. Jésus dit, rassurez-vous, n'ayez pas peur, c'est moi. Alléluia. Amen. Comme Jésus est notre exemple, Pierre, Petelos, il dit Seigneur, si c'est toi, ordonne, si c'est toi, prononce la parole, si c'est toi, parle. Alléluia. Amen. Que moi aussi je puisse marcher sur les eaux comme toi. Amen. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ, notre exemple, il dit, Pierre, viens. Loak. Alléluia. Amen. Matthieu était dans la pirogue. Matthieu, vous m'avez Jean était là. Yonu, vous et tous les autres. Personne ne pouvait sortir. Parce que la parole s'adressait à Pierre. Alléluia. Amen. Quand Pierre a obéi. En écoutant la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Pierre est sorti de la barque. Alors ce soir, j'aimerais que chaque personne sorte de la barque d'incrédulité. Il sort de la barque de la maladie. Même de la barque des difficultés. Parce qu'il y a une parole. Jésus dit, viens. Et remarquez mes frères. Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Alléluia. Amen. C'est vrai, non? À un moment donné, Pierre Petelo commence à réfléchir. Ubanga kwele menji. Ah, mon cas est difficile. Bwanyibolu sibokolu. Marchant sur les eaux. Kadi anyingenda hamai. Quand tu as regardé les symptômes. Hadi utangila mavwale. Ni tuvela. Utangila mvujisam. Combien d'années il avait souffert. Mushindu wabunyi wabili mu bivimuke. Il dit difficile. Moi je suis féticheur. Moi je suis soulard. Moi je prends, je fume. Avec tout ça, comment puis-je être sauvé? Mais je désire te dire que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Pierre, Petelo, avec la parole, Nidji, il peut. Comment je. Hey. Hey. À cause de la peur, il a commencé à s'approcher. Alléluia. Amen. Si le Seigneur n'était pas là, Pierre serait noyé. Et le Seigneur, secours-moi. Et Jésus tend sa main. Pourquoi as-tu eu peur? Homme de peu de foi. Ils sont rentrés dans la barque. Alléluia. Amen. Homme de peu. Pourquoi as-tu eu peur? Alléluia. Amen. Ce soir, n'ayez peur d'aucune maladie. N'ayez peur d'aucun fétiche. N'ayez peur d'aucune mauvaise malédiction. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une parole qu'on va lire tout à l'heure. Un jour, je prends une autre petite histoire. C'est dans Acte 28. Paul a eu la visitation d'un ange. L'ange lui dit, tu arriveras à Rome. Tu vas plaider ta cause devant le grand empereur. Ils se sont embarqués dans une pirogue. En allant vers Rome, la pirogue a fait naufrage. Ils sont allés tomber sur une île. L'île de Malte. Suivez-vous? Arrivé dans l'île de Marthe, il faisait tellement froid. Paul est allé ramasser les bois. Paul, vous voyez, quand vous l'avez chassé, il a fait pour faire du feu afin de se réchauffer. Bon, alors il a fait ça. Alors, écoutez, dès qu'il est dans
ces herbes et ces bois vers le feu. Tu sais, tout ça, là, tu n'y peux pas jouer le mouille. À l'intérieur, il y avait une vipère. Munda moi, bisous, ça m'a dit qu'on va. Quand ça a senti le feu, pas dit qu'on va mouler. Le serpent s'est accroché au bras de Paul. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Paul a fait? Paul, oui, je t'ai. La Bible dit. Bible, tu en bas. Paul. Alléluia. Amen. Parce que Jésus avait dit, même la morsure du serpent ne vous ferait. Alléluia. Amen. Je vais vous choquer un peu. Ici à Munkamba, je vois, on crie, on fait frire des poissons. Les mamans, ils savent ça. Imaginez-vous, maman. Vous êtes en train de frire dans l'huile, vous êtes en train de frire les poissons. Ouais, à un moment donné, une goutte d'huile saute, tombe sur votre main. Alors les païens disent, non? Comme c'est la vipère, c'est un meurtrier. Il va mourir. Paul n'est pas mort. Finalement, ils ont dit que non, cet homme est Dieu. Alléluia. Amen. Si vous avez la foi, tout est. Amen. Alléluia. Amen. Kabia ne bikoshe to. Chichi koshe cha chichi ni. Bowa. Hein? Cha kabwa je petelo mu mayi chinyi. Tu vois gagner? Ngaji nshikishi. Pinje tu mana ikulu tu bale chene bwalu chetu isanshige tu jishik. Nous sommes dans Luc chapitre 8. Tu dis mon kanda wa Luca chapitre wa manda mukulu. Luc, Luca. Chapitre 8. Chapitre wa manda mukulu. Commençons notre lecture au verset 43. Tu banga ikubala kwetu ku verset 43. Luc écrit ceci. Luc, chapitre 8. Commençons au 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin sans qu'aucun ait pu le guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Toi, tu dis qui m'a touché? Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme se voyant découverte, vint toute tremblante et jetée aux pieds de Jésus, et déclara devant tout le peuple pourquoi elle
elle avait touché Jésus. Et comment elle était guérie à l'instant. 48 maintenant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alléluia. Amen. Cette femme qui avait la perte de sang, elle n'avait aucune promesse. Il n'y avait aucune écriture qui parlait qu'elle devait faire cela. Mais cette femme, elle a compris que comme Jésus passait par là, c'est mon occasion. Je suis allé chez le médecin. J'ai dépensé tout l'argent que j'avais. Pas de solution. Mais aujourd'hui, comme Jésus devait être à Munkamba, parce que la Bible dit, là où deux ou trois sont réunis à mon nom, Jésus au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Cette femme qui n'avait entendu aucune parole de Jésus. Et pour elle, Jésus n'avait pas vu de vision. Alléluia. Amen. Cette femme n'a pas eu peur de Jean. Bien que ses habits étaient sales de sang. Elle est venue au milieu de la foule. On pouvait la bousculer, mais. Mais ça ne pouvait pas l'effrayer. Parce que dans son cœur, elle disait, dans son cœur, elle savait que ce ne sont pas des photos, mais ce sont des paroles de promesses. Que la Bible est un livre de trésors. Que la Bible est un livre de délivrance. Que la Bible est un livre de libération. La Bible est un livre qui va vous rendre riche en esprit et dans cette vie divine. Alléluia. Amen. Cette femme, suivez-moi attentivement. Jésus ne l'avait pas vu en vision. Mais à cause de ce qu'elle croyait dans son cœur. Alléluia. Amen. À cause de ce qu'elle s'est dit elle-même dans son cœur. Aujourd'hui, je vais aller à cette réunion-là. Oh, n'allez pas vers ces gens-là. Ah, quel est-ce que tu vas dire? Ce sont de ces six. Je vais y aller. Pourquoi? Parce que vous voulez être sauvé. Pourquoi? Parce que vous voulez être guéri. Pourquoi? Parce que vous voulez avoir la paix dans votre cœur. Pourquoi? Parce que vous voulez la délivrance. Pourquoi? Parce que vous voulez que vous puissiez aussi faire comme Jésus. Parce qu'il a dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Alléluia. Amen. Et nous chantons. Je veux être comme Jésus. Je veux parler comme Jésus. Je veux prier comme Jésus. Je veux aimer comme Jésus. Je veux agir comme Jésus. Je veux marcher comme Jésus. Alléluia. Amen. Parce que c'est celui-là. Notre exemple à vous et à moi. Alors ce jour-là, Jésus n'avait vu aucune vision concernant cette femme. Alléluia. Pour l'homme qui était à Bethesda, Jésus était en train de chercher. Non, ce n'est pas celui-ci. Non, lui, il n'avait pas de barbe. Non. Mes frères, je vous dis que ces jours-là, des gens se précipitaient. Peut-être des gens pouvaient louer le cachet. Pour terroriser les attentions. Si tu bouges pour entrer dans le monde, tu vas voir. Je vais t'enfoncer ce couteau. Et l'homme pouvait rester calme. Quand je bougeais l'eau, agitait l'eau.
C'était pour les plus rapides et les tout puissants. Alléluia. Amen. Mais un jour, ce jour-là, c'est aujourd'hui. Si vous pouvez aussi dire, aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, je vais toucher le bord du vêtement de Jésus. Aujourd'hui, ma foi va faire descendre Jésus. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais être sauvé. Aujourd'hui, les fétiches ne fonctionneront plus. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, même les mauvais sorts, le grand sonde. Où c'est que vous voulez? L'entêta. Dites à Saint-Etat, je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Tu ne peux pas attenter à ma vie. Jésus a besoin de moi. Alléluia. Amen. Pour vous montrer que Jésus n'avait pas eu de vision de cette femme. Cette femme est venue dans la foule. Courageuse. Elle n'avait pas peur. Pourquoi? Parce qu'elle croyait qu'avec Jésus, il y a toutes les solutions. Parce qu'elle croyait que Jésus était le Messie. Parce qu'elle croyait que Jésus était le Sauveur. Que Jésus était le Créateur. Alleluia. Amen. Elle ne croyait pas que Branham était le Créateur. Alléluia. Amen. C'est alors cette conviction. Cette décision-là, parce que la foi, c'est une ferme assurance. Alléluia. Amen. Une ferme assurance. Des choses qu'on ne voit pas. Mais vous, Kadi wewe, vous êtes en train de le voir. Pas avec nos yeux. Qui nous attendons avec nos yeux. Mais la foi vous dit que la chose est comme ça. Kadi dit tabou je dois amener ni chin tout chin mushingwe. Alors ce soir. Na kuti lolwe. Si vous voulez être sauvé. Hawi kala musoba kusu. Faites comme cette femme. Eza bomuka je. Quand elle s'est approchée. Kadi muka je vous semene. Bien qu'on a bousculé. Na shomu voma musakile. Bien qu'on l'injurie. Na shomu voma muhenda. Bien qu'on pouvait mal la traiter. Na shomu voma kumutangile le mesu. Amen. Mouyei. Elle voulait toucher le vêtement de Jésus. Alléluia. Oh, c'est cette femme de New York, New York ne savait pas que c'était des billets de banque. Elle ne savait pas qu'elle était tellement riche. Et ce soir, je désire vous dire aussi, peut-être que vous ne savez pas qu'avec la foi, tout est possible. Mais la Bible dit, c'est facile de dire que à Dieu, rien n'est impossible. Mais Dieu se retourne ce soir. Et il vous dit aussi, à vous qui croyez, rien n'était. Alléluia. Amen. Oh, quelle. Jésus a dit, ils imposeront les mains aux malades. Mais cette femme-là n'a pas eu d'imposition de main. Cette femme-là, elle s'est dit, aujourd'hui, je vais dans les eaux de baptême. Aujourd'hui, quel que soit ce que je fais, quel que soit ce que les gens diront, aujourd'hui, je prends ma décision. Je vais aux eaux de baptême. Alléluia. Amen. Les cigarettes vont s'occuper d'elles-mêmes. L'alcool va s'occuper d'alcool. Ça, ce n'est pas votre problème. Ne regardez pas l'alcool. Ne regardez pas vos fétiches. Aujourd'hui, la foi. Celui qui a la foi, tout est possible. Remarquez mes frères. Alors cette femme, malgré les obstacles, malgré l'opposition, elle n'avait pas de doute dans son cœur. Alors ce soir, chassez aussi tout doute. Alléluia. Amen. Dès qu'elle touche pas le corps de Jésus, dès qu'elle touche les vêtements de Jésus, la maladie
Alléluia. Amen. Je pense. Quand je voyais les gens danser ici, maintenant aussi la vie de me lever pour danser. Je me suis dit, quand on verra le prédicateur qui va prêcher commencer à danser encore. Alors, si j'étais cette femme-là, ça je crois. Lorsque la maladie qui avait fait 12 ans s'est arrêtée, alléluia. Amen. Elle a commencé à danser. Elle a commencé à jubiler. Parce qu'elle avait reçu la chose qu'elle cherchait. Alors ce soir, aux autres du baptême, nous y allons pas avec de tristesse. Même si vous avez un problème, oubliez cela. Parce que c'est la solution. C'est pourquoi nous sommes venus. Alléluia. Amen. Jésus se retourne. Pierre. Jean. Yon. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Alléluia. Amen. Donc Jésus aussi. Jésus. Ne savait pas qui l'a touché. Il n'a pas vu cela en vision. Il dit, mais Seigneur. Seigneur, comment tu sais qu'on t'a touché? La foule nous entoure. La foule nous presse. La foule nous bouscule. Il dit, ce n'est pas ce genre de toucher là dont je parle. Quelqu'un m'a touché. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une force qui est sorti de moi. Il regarde dans l'assistance. Il voit la femme. La femme se voit découverte. Elle vient. Alléluia. Amen. Ce soir, tu peux être cette femme. Tu peux être cette personne qui était dans la foule avec des problèmes du salut, avec des problèmes d'affliction dans le cœur. Maintenant, Jésus demande qui m'a touché, qui m'a cru, qui a cru ce que je viens de dire, qui a cru ce que mes envoyés ont dit. Alléluia. Amen. Inclinons maintenant les têtes. La Bible n'est pas simplement un album. La Bible n'est pas un livre de lecture. Mais la Bible, c'est Dieu sous forme d'écriture. Alléluia. Amen. Celui qui croit que ce que nous venons de dire est la vérité, qu'il lève simplement la main et qu'il vienne ici devant. Qu'il soit courageux comme cette femme. Qu'il soit courageux comme Paul. Levez la main. Ensuite, hashish. Venez. Avancez-vous ici. Pour dire que la personne qui avait touché le bord du vêtement de Jésus, c'est moi. Je vais le saluer. Si vous voulez le saluer, pendant que les gens ont cligné leur tête, venez ici simplement devant. La foi est possible à tout celui qui croit. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Vous avez pris la décision la plus meilleure de votre vie. C'est de venir à Jésus-Christ. C'est de croire que vous êtes sauvé. Si vous n'avez pas peur, si vous n'avez pas honte, si vous croyez que la parole est la vérité, que la parole c'est la richesse, que la parole c'est la délivrance, que la parole procure la paix, que la parole procure la richesse, mais faites simplement comme votre frère. Venez ici simplement devant. Quelque chose va se passer dans votre vie. À l'intérieur de la femme, la maladie de la femme de ça a été arrêtée. Jésus dit à cette femme, il n'a pas dit ma puissance t'a sauvé. Non, il dit ma fille ta foi. Alors, ce soir, ce que vous croyez, ce que vous croyez, ce que vous avez cru, ce qui a fait prendre votre
cette décision, vous a sauvé totalement et complètement. Je crois de tout mon cœur que même si Dieu ne vous avait pas vu en vision, et avec la décision que vous prenez ce soir, avec la foi, je peux croire ces choses. Alléluia. Amen. Je crois que votre problème est réglé. Maintenant, mettez-vous à genoux. Nous allons appeler Pasteur Hubert pour qu'il vienne prier pour ces personnes afin que Dieu puisse. Que Dieu puisse les bénir et les assister. Et que chacun puisse recevoir selon sa foi. C'est la meilleure des choses que vous avez faites dans votre vie. Il y a encore des gens qui sont en train d'hésiter. Le Seigneur vous appelle. Venez seulement rejoindre le groupe. Tenez calme tes vaches. Malo en Zambi. Adia mwenze comme tu dis tout en bemo. Wanga te dis vanga tiken menshi matoka. Umona mulundu le belushin truc. Wemu vule bwalbo kwa balwalwa watanyileku bezu bumana ya mulo kwenze kuna ya mwana kwenu mu chinji mulileta katone tuvwa walbantu balwalwa to mama teka foto teka chamo cha bash tuni kami tu bash Tatu wetu ni Nzambi wetu. Mufuki wajunu wabuloba, wani shindilelu, Yesu kamiku wabumu. Itabuja jijabu. Amumutu ambili jijabu njiminu. Jiminu jijitoloka mubulaba wabubufuka. Bulebo wabufuka moyo juu itabuja bali pionsu bijwi kumbana ujio juu itabuja eyonsu itabuja wabati jibwa yeya ujio sungi jibu tujitu ambani uji Nzambi wabushu Kakwena muntu muya wandusa kila bantu wabu bakulobu mwabe kubukole to. Jiji yabe jijini bukole. Bukumbushu muntu mwabe ufo yao. Kayimuteke menene nafika hapa to. Ujumano kaja mwapao. Katwena baba sengelele baba niluayi. Tutu tubeshe biyabia nash. Mwalu jini bintu mwewe Yesu. Mbita buji Kimba kumvo mundu to kumpala kwa balu mani bakaji Tua binu vash, batu binu vash Mtamba bune no mjulu ni Nzambi mulelele Ujimuamba mundu mwajiji ya mtu ambile ni Mundu kene mwa kufo kundi Ikala tatu wani kaimuko kajambeji to Mwani kukuita buja wea Yesu kichitu cha kumpuko pukato. Kimbu amakanda abantu to. Wewa Nzambi kujini puissance d'attraction. Amen. Mwabibiyazi kajini uleji tutuko ina toasa kajini. Amen. Ujimuamba ni fajimusuka uma ukujimu na muchima. Banjelu mujulu bajiba sang. Banjelu bajikaba ibana babu ni muntu toba sang. Kajini bikele chini bwatetu bana babu ni muntu. Jina jaba jitumishi kwa chandele. Jina jaba jivuji isanga bukalega Yesu. Shale jikuwa chisha jabu. Shale Nzambi wabu. Shale chai minu chabu. Tatu wetu ni mukalega wetu. Nabu wafu wa vita ikale wewa. Nzambi tutuba shimundu mwachaze chema.
Walu juwa mbani chidi mune kwa chasa chepe kwa kuchinye nga to. Udi utambile kabijini. Eyo suwa kwa yemena kakufushe mbundu to. Kibobu waba. Bajiba londa njila. Mukole. Njila. Wabundu ni bishanu ni bifendu. Njila. Wabantu wabanku bajombola. Babanku bakwantari ni mbajombola. Kajiwe ujinzambi wabajombola. Ani shani munda mwajitu kweni. Ukamkamika jitabuja jao. Utanchisha jitabuja jao. Bajibasaba munga chibu wabu basangali babutu mwajino jela. Walujusha lansambi. Wamumu mamakele toni chendele. Sankani mukalenga wetu ni zambi mulenga. Uleje nujizambi wabushu. Watu leje munda mwajitu kweni. Nujikapabla kwa kweza malumanena. Yina jaba jitumbi shibwa. Tatu wetu ni mukalenga wetu. Nituye nabu kumai. Tushe mujimu wosu wezeka. Munda mwachanza cheba. Changa. Lumu. Butumbi. Bukola. Bufumu. Buko keshi. Biko hinga nyawe mutambule na mujulu. Kwa malu ajimwezi jilo lweji. Mujina jini mutu kwa mena ons. Mujina jabu sungiji. Jina jakachimu. Jina jabu lelela. Jina jabu lebubanji. Ya wakana tapabuloba. Jiyitamba mena ons. Ya mukelena. Musu ndio tu Yesu Kristo. Amen. Amen. Tele jai. Kato ni bale mumalu amana yeto. Tuji. Nuji nusomba mwabeo. Ha? Bajibamba mufundu watu bajibambi ni. Bitabuja. Uitabuja. Nuwaba tujibwa. Yeneza bishi. Mumoni. Faji wamba ni njimuitaba sabia. Ujuwanga tajifanga jika. Jakuba tishibwa. Bwakuleja bantu ni. Chiji mwenzechi njimuchi londo. We mumbo biyaza kujisanga sanka. Ame mambu mulo buwani nganga njimuitaba uja. Baka jina abaya kuntambuishi. We mumbo kato yetu sengelilo mtu tuju mumbo. We mumbo ni njimui kujamui. We mumbo ni chiji ngezechi. Njimusu buwani ndonda nshira ujiji janzami jambedi nsungijibu. C'est très bien. Badi bon vonanku, badi basomba mungu asei. Nino angata kunguwasa kuntukwaka, nubesha bako wabalibasa kuangwata, uya kuntambu kwa kutambu.